Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce Week-end en NFL. Au programme aujourd'hui, la preview complète de la Week 5, les notes des matchs et bien évidemment nos pronos. Et comme à chaque fois, il me fait l'honneur de m'accompagner mon chum du Québec, celui que vous pouvez voir sur RDS, Renaud Bourbonnet. Salut Jack, content d'être avec toi encore cette semaine. Ah, c'est toujours un plaisir et j'ai déjà hâte qu'on jase de cette Week 5. Donc si t'es prêt, on peut y aller. Allons-y. Et c'est parti. On attaque cette cinquième week par un second match à Londres. Les London Jaguars, si vous pouvez me permettre l'expression, ouais. Accueillent cette semaine encore dans leur second entre les Bills de Buffalo. D'ailleurs, pour l'info, cette semaine, il n'y aura pas d'épisode de It's the Road Jack puisque l'ami Pierrot sera à Londres. On le salue. Donc, Renaud, ce second choc londonien sera-t-il plus intéressant selon toi? Ben, assurément, il y a un match-up avec des meilleures équipes. C'est-à-dire que la semaine dernière, oui, les Jaguars étaient là. Ils affrontaient les Falcons. On l'a vu. L'attaque des Falcons, ça fait combien de fois qu'on le dit? Je pense qu'on le dit à toutes les semaines, là, qu'on se parle ensemble. Mais avec Desmond Ridder, ils sont complètement incapables d'avancer le ballon. Là, Arthur Smith a en plus dit que pour Atlanta, il allait continuer de faire confiance à Ridder quand il y a un carrière capable en Taylor Heinicke derrière lui. Donc, bon. On va garder Atlanta pour un peu plus tard. On va se tourner du côté des Jaguars. Moi, j'ai trouvé que c'était une performance rassurante de Jacksonville. L'attaque n'a pas tout cassé. Il y a encore d'amélioration à aller en attaque, mais défensivement, on a fait du gros travail. On a créé des revirements. On a marqué un toucher défensif aussi sur un retour d'interception pour Jacksonville dans le match contre Atlanta. Donc, si les Jaguars veulent se permettre de dire qu'ils sont une puissance dans la Ligue, comme on croyait qu'ils seraient cette année et comme ils ne démontrent pas tout à fait depuis le début de la saison, ben là, c'est l'occasion en or de le démontrer pour eux. Les Bills, ils ont déçu lors du premier match. On se souvient, hein, Josh Allen avait lancé 3 interceptions contre New York Jets. Ça s'était pas très bien passé. Mais depuis ce temps-là, on écrase tout ce qu'il y a sur notre passage. Puis la semaine dernière, si je ne me trompe pas, toi et moi, on avait mis les Dolphins gagnants dans le match contre Buffalo. Les 5 premières séquences du match, ça a été des touchés. C'était 21-14 après 5 séquences de jeu. Puis finalement, bon, on dirait que la chaîne a débarqué pour les Dolphins, puis elle n'a jamais débarqué pour les Bills de Buffalo. Ils font du bon travail pour aller chasser le carrière. On a vu Tua qui avait été saqué juste une fois depuis le début de la saison. J'ai perdu le compte pendant ce match-là, honnêtement, à savoir combien de fois il est tombé sur le derrière, mais c'était plusieurs. Donc, en fait, pour moi, l'intérêt dans ce match-là est d'évaluer les Jaguars sont où dans leur processus de développement, à savoir est-ce que les Jaguars sont une puissance. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que les Dolphins ont fait la semaine dernière? Si oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement meilleurs que les Dolphins, mais ça veut dire qu'ils sont capables de tenir tête aux meilleures équipes de l'AFC. Donc, c'est un match intéressant pour moi. 3 ballons. Honnêtement, tu as mis 4. J'aurais pu mettre 4, mais j'ai décidé d'y aller avec 3. J'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, pour la petite info, toi a été saqué 4 fois précisément. Voilà. Voilà, pour la petite info, comme quoi on s'est déplanté. Donc ouais, j'ai mis quatre ballons. Côté Jaguars, j'ai bien aimé parce que je suis un fan de Christian Kirk, donc j'ai bien aimé qu'on ait pu enfin le voir un peu plus. J'ai quand même trouvé, par contre, j'ai trouvé, tu vois, Travis Etienne quand même un petit peu à la peine à la course. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de sa prestation, mais moi j'étais un peu, ouais, je l'ai vu plus éclatant déjà lors de matchs, notamment l'année dernière. Ouais, ben c'est ce que j'allais dire. Je pense que pour Travis Etienne, c'est quelque chose qui traîne depuis le début de la saison. On attend encore l'explosion, mais c'est vrai pour toute l'attaque des Jaguars. Calvin Ridley, bon, il a marqué un touché dans le match contre Atlanta, mais lui aussi ne met pas des chiffres, disons, dans le haut de l'échelle, dans le top de la pyramide de la NFL. Pour l'instant, je rappelle, tu dis que Christian Kirk a connu un bon match. C'est vrai, je pense que ça a été son meilleur depuis le début de la saison. On revoit un peu le gars qu'on voyait l'an dernier. Mais dans le cas de Jacksonville, si on gagne les matchs, c'est ça l'important. Il ne faut juste pas se creuser un écart. Il ne faut juste pas se sortir de la course aux éliminatoires. C'est un processus. On veut arriver à notre meilleur une fois à la fin de la saison. Donc moi, tant qu'il y a de l'amélioration pour cette équipe-là, je vais garder le positif. Pour l'instant, je vois de l'amélioration de semaine en semaine, même si on n'est pas encore tout à fait à point. Donc, tu fais bien de le dire, Travis Etienne. Écoute, je l'ai pris dans mon fantasy football. Je pensais que ça allait être le joueur clé de mon fantasy football cette année. Pas qu'il fait mal, c'est pas catastrophique comme saison, mais disons qu'il se démarque pas là pour le moment. On parle pas de fantasy league. La semaine dernière, j'avais Adam Thielen qui était sur le banc. Ah non! La semaine dernière, j'avais un certain Khalil Mack qui était sur le banc.
Donc voilà, ça fait une paire de points qui sont partis des deux côtés. Alors maintenant, tu les vois progresser les Jaguars, mais maintenant, est-ce que tu les vois progresser assez pour battre les Bills? Quel est ton prono? Ben, c'est ça le problème, selon moi, dans ce match-là, c'est qu'il est un peu trop tôt dans la saison pour les Jaguars. Donc, je vais me ranger derrière les Bills dans ce match-là. J'espère qu'on va avoir un match serré jusqu'à la toute fin. Je le souhaite surtout aux amateurs là, qui vont se déplacer en Europe pour ce match-là. Ils n'ont pas été gâtés au cours des dernières années. La semaine passée, je pense que c'est un match qui a laissé certaines personnes sur leur appétit. J'espère que cette année, on va avoir un vrai choc, mais que cette semaine, on va avoir un vrai choc. Mais je vais y aller avec Buffalo pour ce match-là. Eh bien, écoute, je vais te surprendre. Je vais prendre les Jaguars. Alors, on va me tomber sur le poil, mais bon, tant pis. Mais pour une raison surtout, parce que, en fait, le décalage. Ils sont déjà, ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont à Londres. Mm-hmm. Les Bills, je pense qu'ils vont arriver mercredi ou jeudi. Bon, peut-être vendredi. Donc, ça peut peut-être jouer. En plus, Jacksonville joue quasiment à domicile. Donc, peut-être que c'est là. Peut éventuellement, je dis bien, peut faire qu'ils vont prendre la victoire. Mais ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match. Mais tu as raison, c'est un avantage non négligeable pour Jacksonville. Je pense que surtout, tard dans le match, les joueurs des Bills vont peut-être voir là, le rattrapage de ce décalage horaire-là au quatrième quart, par exemple, être plus fatigué. Tandis que les Jaguars, ben, ça fait 2 semaines hein, qu'ils sont là, donc ça va faire 2 semaines rendu dimanche. Donc, non, tu as raison, c'est un argument non négligeable. Je vais quand même me ranger derrière Buffalo, là, mais ça va être intéressant à surveiller. On verra la semaine prochaine qui c'est qui avait raison. On revient aux États-Unis aux heures habituelles, 19h en France et 13h sur la côte Est. Les Falcons sont de retour de Londres et reçoivent les Texans. Les deux équipes sont à 2 victoires, 2 défaites. Alors, Renaud, après quelques matchs, est-ce que l'on ne peut pas se poser la question de qui est réellement le favori dans cette rencontre? Complètement. Si tu me demandais il y a 2 semaines, je t'aurais dit assurément les Falcons. Puis maintenant que tu me le demandes, je te le dis en partant, ma prédiction, c'est que les Texans vont gagner ce match-là. CJ Stroud connaît un début de carrière phénoménal. Il est en train de battre des records là, pour le nombre de passes sans lancer d'interception. La semaine dernière, on jouait sans nos 2 O-line extérieurs, nos 2 bloqueurs, contre Pittsburgh, qui a un front défensif terrorisant. TJ Watt a été invisible du début à la fin de la rencontre. On a fait du bon travail. On a amené des bonnes formations pour bien contenir les joueurs défensifs de Pittsburgh. Puis on est allé surprendre une équipe pour une 2e semaine de suite après les Jaguars la semaine précédente. On a battu Pittsburgh la semaine dernière. Donc Houston, pour moi, est dans la catégorie des équipes extrêmement impressionnantes depuis le début de l'année qui me surprennent. Tandis que pour les Falcons, ben, on vient d'en glisser un mot. Desmond Ridder ne fait pas le travail. Et là, à moins qu'il se blesse d'ici la fin de la semaine, Arthur Smith lui a donné un vote de confiance pour dire que ça allait être lui. Honnêtement, je pense que les Falcons présentement seraient une meilleure équipe si Tyler Heinicke serait au poste de carrière. Même que si Heinicke commençait ce match-là, je me poserais beaucoup plus de questions avant de faire ma prédiction. Mais présentement, c'est simple. Le jeu par la passe est complètement inexistant pour les Falcons. On rate nos cibles. Kyle Pitts, Drake London, depuis le début de la saison, on dit qu'on n'essaie pas de les impliquer. C'est pas qu'on n'essaie pas de les impliquer, c'est que Desmond Ridder est incapable de les rejoindre. Surtout sur des passes profondes où il est incapable de connecter avec personne. Donc, non, pour moi, il y a un vrai problème au poste de carrière pour les Falcons. J'y vais avec les Texans dans ce match-là. Écoute, je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit. Je vais même encore enfoncer le couteau. Je vais jouer. Alors, je vais jouer aussi les Texans, déjà. Parce que, pareil, le décalage horaire, les Falcons sont de retour de Londres. Donc, déjà, ça peut jouer aussi. Et je vais enfoncer le couteau, comme je disais, parce que je commence à avoir un gros souci avec Arthur Smith. C'est la 3e saison qu'il est à Atlanta. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec le même bilan que l'année dernière et le même bilan de l'année d'avant, c'est-à-dire 7 victoires, 10 défaites. Il n'y a pas de réel progrès. Pourtant, il y a du jeu, il y a de bons joueurs. Tu as une O-line qui est capable de faire du bon boulot sur le jeu à la course. Sur le jeu à la course. Par contre, le jeu à la passe, je te rejoins à 100%. Desmond Ridder, c'est beaucoup trop bas. Et moi aussi, je voudrais voir Heinicke parce que je suis sûr qu'il est capable de faire plus et mieux que Ridder. Second match de cette série, rendez-vous en Pennsylvanie pour un nouveau duel qui sent bon. L'AFC Nord, les Steelers de Pittsburgh contre les Ravens. Et j'ai envie de commencer par une question. Est-ce que, selon toi, Mike Tomlin va réussir à nous refaire une saison au-dessus de 500? Ça va être difficile, mais la vérité, c'est que l'an dernier, à pareille date, ou du moins à un certain point dans la saison, je t'aurais dit que non, puis ils sont partis sur une séquence de victoires pour finalement
rattraper leur retard. Ils ont raté les éliminatoires, mais ils ont quand même là, réussi à mettre une fiche positive au classement. Maintenant, j'ai vraiment été déçu parce que j'ai vu la semaine dernière des Steelers. Offensivement, on le savait que ça ne roulait pas. On va y revenir. Mais défensivement, comme je l'ai dit, TJ Watt a été invisible, même s'il connaissait un gros début de saison. Il avait déjà quoi, 6 sacs à son compteur. On ne l'a pas vu une fois la semaine dernière. Et offensivement, ben, Mike Tomlin, je ne sais pas si tu as entendu les propos d'après-match, on lui a demandé si maintenant il allait penser à procéder à des changements. Et sa réponse a été « Hell yeah! We're gonna make changes! » On va faire des changements. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? J'ai hâte de le voir pendant le match. Est-ce que ce sera au niveau du personnel? Moi, personnellement, je pense que Matt Canada devrait être extrêmement inquiet pour son emploi. Mais en même temps, je dis ça depuis l'an dernier parce que ça n'a jamais fonctionné avec lui comme coordonnateur offensif. Donc, écoute, pour Pittsburgh, ça ne se relancera pas en une seule semaine. Je vais y aller avec les Ravens dans ce match-là. Mais définitivement, on pourrait avoir un bon affrontement défensif. Si la défensive des Steelers se relève et qu'elle peut contenir Lamar Jackson, on va se donner une chance de gagner ce match-là. Par contre, s'il y en a un qui est difficile à contenir dans sa pochette, c'est bien Lamar Jackson. Donc non, je vais me ranger derrière Baltimore qui connaît tout simplement un meilleur début de saison. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas Kenny Pickett qui va commencer le match. Je crois que c'est Mitchell Trubisky. Écoute, peu importe qui commence le match, ça va être une catastrophe à cette position-là pour Pittsburgh. Entre la peste et le choléra. Exact, exact. Exact. Ouais, alors, toi, tu as donné 3 ballons pour ce match. Moi, j'en ai donné 2 parce que, bon, on va pas ressortir la ritournelle habituelle. Ah, c'est Nord, grosse défense, blablabla, grosse bagarre. Par contre, les Ravens ont beaucoup plus d'armes, offensivement parlant, que les Steelers qui ont que dalle. Qui ont que dalle. Moi, je l'ai déjà dit, je le cache pas. Et je vais partir personnellement sur les Ravens aussi parce que je crois plus en cette équipe malgré les blessés. Oui, moi aussi. Malgré les blessés, on est capable de faire du bon travail. Là, depuis, même quand on perd, à chaque fois qu'on perd un joueur, il y a des joueurs qui se lèvent la semaine suivante et qui réussissent à faire du bon boulot. On quitte la FC Nord pour le Sud. Les Titans se rendent chez les Colts. Alors, Renaud, les deux franchises sont à 2 victoires, 2 défaites. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu arrives à dégager un favori dans ce match? Non, j'ai de la difficulté, je t'avoue. Moi aussi, dans ce match-là, du côté des Titans, on le sait, défensivement, on fait du bon travail. On a probablement été aidé par le fait, en fait, on a assurément été aidé par le fait que Joe Burrow est blessé en ce moment et qu'il est incapable de faire bouger avec constance l'attaque des Bengals de Cincinnati. Mais ça a été une belle prestation la semaine dernière. On a été créatif dans la zone payante. Moi, j'aime quand on fait le fameux jeu où on remet le ballon à Derrick Henry, qui fait semblant de courir, saute et lance le ballon par-dessus tout le monde dans la zone début. Ça fait plusieurs fois, là, je pense que c'était la 7e fois, 6e ou 7e fois qu'il le faisait depuis le début de sa carrière, ou du moins qu'il réussissait le jeu depuis le début de sa carrière pour marquer un toucher. Donc écoute, créativité du côté du temps, je leur lève mon chapeau à ce niveau-là. Puis chez les Colts, malgré la défaite la semaine dernière, on a montré beaucoup de caractère. On faisait rien offensivement en première demi. On perdait 23-0, si je ne me trompe pas, dans ce match-là. On a forcé la prolongation. On n'a pas été capable de fermer les livres contre les Rams, qui sont quand même une formation talentueuse. Mais on a montré du caractère. Le fait qu'on joue à la maison dans ce match-là va probablement nous aider. Moi, je vais y aller avec les Colts, mais c'est surtout parce que j'aime voir cette équipe depuis le début de la saison. Et que si je peux voir une des deux équipes entre Indianapolis ou le Tennessee se rendre un peu plus loin, mais tu sais quoi, j'aime mieux voir Indianapolis parce que Tennessee, peu importe ce qu'ils vont nous donner de bon, c'est ce qu'il y aura de mieux pour eux cette année. Le plafond n'est pas illimité. Tandis que Indianapolis, avec un jeune corps qui est en développement en Anthony Richardson, j'aime regarder Richardson, je le trouve spectaculaire avec le ballon. Puis la vérité, c'est que autant que je me posais de questions sur lui comme passeur avant le début de la saison, je ne te dis pas que c'est un passeur d'élite, mais quand même, c'est plus impressionnant, selon moi, que ce qu'on voit, par exemple, de Bryce Young ou ce qu'on voit, par exemple, de Desmond Ridder depuis le début de la saison. Donc non, je vais me ranger derrière les Colts. C'est une équipe que j'aime regarder depuis le début de l'année. Et comment tu évalues, d'ailleurs, la dernière prestation d'Anthony Richardson, qui a fait un 11 sur 25, 200 yards de mémoire? Mais si on regarde, c'est surtout en première demi, que ça a été extrêmement difficile. Il n'y avait à peu près rien qui fonctionnait. Écoute, on faisait le match sur Red Zone,
Puis en première demi, on a eu droit à zéro jeu des Colts en attaque parce qu'ils n'étaient jamais sur le terrain. Puis en deuxième demi, ben, on s'est repris pour justement forcer la prolongation. Puis je pense que c'est une année comme ça chez les Colts. On ne s'attend pas nécessairement à participer. En fait, on ne s'attend pas du tout à participer aux éliminatoires. On veut seulement surprendre. On veut seulement se garder dans les matchs contre les bonnes équipes. Puis jusqu'à maintenant, ben, ils sont en mesure de le faire. Donc, c'est difficile de les critiquer. Ah, c'est vrai que c'est vraiment dur de choisir un favori. Vu que les Titans sont... Mon argument, il va être simple, bateau. Mais vu que les Titans sont en courant alternatif, comme je l'ai dit dans une autre émission, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Je vais partir sur la victoire des Colts, tout simplement, parce que sinon, parfait. J'ai un peu de mal à vraiment donner un argument bateau qui peut justifier, quoi. Toujours dans la première série, direction maintenant Miami, 3 victoires, 1 défaite, qui accueilleront ce dimanche les Giants, 1 victoire, 3 défaites. Alors, comme toujours, vous me connaissez, je ne tergiverse pas longtemps, mais j'arrive plus à parler. La note est de 1, Renault a mis la note de 1, Miami va avoir le couteau entre les dents, et côté Giants, ben, c'est pauvre. Alors Renault, quelle est ton impression sur ce match, même si je pense qu'on est à peu près sur la même opinion? Ouais, écoute, je m'éterniserai pas sur ce match-là. Je sais que les Dolphins, il y a eu des ratés la semaine dernière, la défensive notamment, qui a pas fait le travail, la ligne à l'attaque aussi, qui a eu de la difficulté. Mais là, on se prend contre un adversaire complètement différent. Hein. La semaine dernière, on affrontait une des meilleures équipes de la Ligue en Buffalo. Cette semaine, on affronte une équipe, les Giants, qui, selon moi, ont joué 2 bons quarts en 4 matchs depuis le début de la saison. C'est la deuxième demi contre les Cards. Et même là, on s'entend, c'est les Cards. Donc non, je ne partirai pas sur les Giants bien longtemps. Cette équipe-là, pour moi, est une des grosses, sinon la plus grosse déception depuis le début de la saison. Ça va être un festin là, pour les Dolphins contre cette équipe-là. Ouais, les Dauphins vont se transformer en requins. Exact. Et par contre, tiens, j'avais une question. Et moi, je regardais aussi le Red Zone. Comment tu as jugé la prestation de la défense des Dolphins? Parce que, en fait, j'avais l'impression que Buffalo, en fait, se retrouvait, mais à une vitesse incroyable, dans la red zone des Dauphins. Est-ce que c'était moi qui me trompais de sentiment ou est-ce que c'était vraiment le cas, quoi? Non, ben écoute, moi aussi, je suivais le match par Red Zone parce qu'on était à la description, donc on a eu les mêmes occasions de voir le jeu. Tu as raison, Buffalo était constamment dans la zone payante de Miami. Mais écoute, on a identifié, tu sais, Jalen Ramsey est blessé depuis le début de l'année. Il y a le jeune Kohou qui joue pour Miami, donc comme corner. On l'a visé du début à la fin du match chez les Bills. On l'a identifié comme une faiblesse dans la défensive. On a envoyé Stephon Diggs se coller sur lui tout le match. Puis pour moi, le jeu où le match a vraiment chaviré, parce que c'était un match serré jusqu'à un certain point là, dans la rencontre, c'est... Tu me permettras d'avoir oublié là, à quel moment c'était, mais c'était au deuxième quart. Il y a eu une longue passe à Stephon Diggs qui l'a capté. Et il y a 2 joueurs des Dolphins qui se sont mis sur lui pour le mettre par terre. Mais on dirait que les Dolphins ont arrêté de jouer, l'ont laissé partir, puis il s'est sauvé dans la zone de début. Il y avait un mouchoir, on s'est dit, bon, il y aura pénalité contre Buffalo. Non, pénalité contre Miami, refusé, c'est un touché. Puis à partir de là, on l'a senti la chaîne complètement débarquer. Miami n'a jamais été en mesure de revenir dans le match. Mais tu as raison, on a accordé trop facilement accès à la zone payante à Buffalo. Puis autant est-ce que Josh Allen, on l'a critiqué depuis 1 an et demi là, pour ses interceptions, ses mauvaises décisions dans la zone payante. Ben, le week-end dernier, ça n'a pas paru du tout. Il a participé à 5 touchés totaux, 4 passes de toucher, 1 touché au sol. Donc non, ça a été une grosse, grosse performance pour Allen puis l'attaque des Bills. OK. Bon, donc on dit pour le match, on revient. Donc on dit Dolphins chacun, ça va être une purge. Ouais. Enfin, ça va être un massacre. Un autre match qui, pour moi, ne devrait pas être très intéressant. Les Lions, 3 victoires, 1 défaite, reçoivent les Minous de la Caroline, 0 victoire, 4 défaites. Détroit a été très convaincant, selon moi. Encore une fois, la semaine dernière, les Panthers s'enfoncent doucement. Pourtant, franchement, on ne peut pas dire. Les Vikings ont essayé quand même de leur donner la victoire, mais non, rien n'y fait. Alors, toi, est-ce que, selon toi, la Caroline peut remporter ce match ou ça va être un massacre aussi? Non, ben c'est l'occasion parfaite pour les Lions d'enfin affronter une vraie mauvaise équipe puis de montrer qu'ils peuvent être une puissance dans la NFL en les massacrant. Écoute, la Caroline, offensivement, il n'y a absolument rien qui se passe parce qu'il ne faut pas oublier que dans le match contre les Vikings, que tu sais bien le dire, les Vikings ont tout fait pour perdre ce match-là puis ils ont réussi à le gagner quand même. En début de rencontre,
Kirk Cousins, l'attaque des Vikings était dans la zone payante, était très près de la zone début. Puis il a lancé une interception qui a été retournée pour un toucher, un bon vieux pick six. Et ça a ajouté des points donc aux Panthers, mais ces points-là, ce n'est pas l'attaque des Panthers qui les a marqués, hein, c'est leur défensive. Offensivement, il n'y a rien qui se passe. Bryce Young, on a l'impression qu'on le touche avec un doigt puis qu'il tombe par terre puis que le ballon vole. Donc non, moi, je ne suis pas impressionné par les Panthers. Puis en ce moment, être les Panthers, je serais extrêmement inquiet de ce que j'ai fait l'an dernier en échangeant mon premier choix, non seulement de l'an dernier, mais aussi de l'an prochain, en envoyant DJ Moore à Chicago. Parce que Bryce Young, présentement, il joue moins bien que CJ Stroud et il joue moins bien qu'Anthony Richardson. Je suis prêt à dire qu'il a un moins bon entourage, une moins bonne équipe, du moins offensivement autour de lui. Mais quand même, il n'est pas du tout impressionnant sur le terrain depuis qu'il joue. Là, je sais qu'il a raté une des parties, mais dans les trois matchs qu'il a joué, pour moi, il n'a pas été impressionnant. Donc, ça va mal pour les Panthers parce qu'en ce moment, ils sont 0-4, les Bears sont 0-4. Les Bears auraient les deux premiers choix au repêchage là, si on se parlait aujourd'hui. Et à ton avis, à quel moment on va commencer à se poser des questions aussi sur le cas Frank Reich? Ça, je pense qu'ils vont être un peu plus patients dû au fait que c'est la première saison de l'administration. Je pense pas qu'on va le mettre à la porte dès la première année parce que, offensivement, on le voit, il n'y a tout simplement pas d'armes là, autour de Bryce Young. C'est bien beau d'avoir Miles Sanders qui est un porteur de ballon que j'aime bien, mais tu n'as pas une grosse ligne à l'attaque, tu n'as pas de vrais bons receveurs élite. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien à faire avec cette attaque-là. On ne peut pas s'attendre à rien de leur part. Par contre, je pense que même malgré cette barre-là qui était basse, ils déçoivent. Je ne pense pas que l'entraîneur peut être inquiet pour l'instant parce qu'avec un nouveau régime comme ça, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on trouve un bouc émissaire. Donc, on va renvoyer le coordonnateur à l'attaque ou on va changer un entraîneur sur la ligne à l'attaque, par exemple, quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas qu'on va, dès après une année, tirer la plug là, sur le cas Frank Reich. Ceci étant dit, si l'équipe termine 0 et 17, peut-être que je vais changer mon discours. D'ailleurs, il me semble, je crois que j'ai vu passer une info. Alors, j'ai un doute là maintenant sur ce que je dis. Il me semble que d'ailleurs, je crois que la Caroline est à la recherche d'ailleurs d'un receveur. Ben, écoute, à voir l'alignement qu'ils ont présentement, es-tu surpris? Non. Mais il me semble avoir vu l'info. Tu avais Adam Thielen sur ton banc, c'est leur meilleur receveur, puis les Vikings n'en voulaient même plus, même si c'est un local, un gars. Du Minnesota qui a grandi un grand fan des Vikings puis qui avait encore sans, c'est plus un receveur étoile évidemment mais qui a encore un peu de jus dans la tank pour dépanner une équipe qui a une option plus profonde donc je suis pas surpris de voir que les Panthers veulent ajouter un receveur surtout considérant que ben, on veut voir Bryce Young se développer dans cette année-là puis s'il y a aucune option pour lancer le ballon profondément ou qu'il y a aucune option en fait pour sur qui se fier match après match, mais c'est difficile de voir la progression du joueur. Puis c'est très mental, hein? Un carrière, s'il est démoralisé après sa première année, ça peut complètement changer la trajectoire de sa carrière. Donc, non, je ne suis pas surpris que les Panthers veulent ajouter de l'aide immédiate parce qu'ils veulent, à défaut de gagner des matchs ou de gagner beaucoup de matchs, ils veulent au moins construire quelque chose offensivement, pas simplement jeter cette année-là aux poubelles. Je te dis ça parce qu'en fait, j'ai eu une petite idée. Alors, j'en ai parlé dans l'émission de hier du Micro Libre. On sait que Chicago veut se débarrasser de Chase Claypool. Mm-hmm. Toi, t'es le GM des Panthers. Est-ce que cette option t'intéresserait ou est-ce que non, tu touches pas? Ah, c'est une difficile question parce que voilà le problème que j'ai. Chase Claypool a un gros problème d'attitude qui vient avec ses contre-performances. Je ne sais pas si tu l'as vu lorsqu'il a été en conférence de presse où on lui a demandé « Est-ce que tu penses que l'équipe t'utilise adéquatement? » Puis il a dit non avec un gros sourire détempé dans le visage. Il y a définitivement une chicane présentement avec l'organisation des Bears au niveau que l'organisation a dit que Claypool avait décidé de rester chez lui. Et là, plus tard, on a appris que non, c'est l'organisation qui l'a obligé à rester chez lui. Donc, première des choses, ça ne sera pas vendu à un gros prix. Hein. On sait que les Bears ont payé un choix de deuxième tour pour lui l'année dernière. Impossible qu'il ait la même valeur. Pour moi, ça va être un choix très tardif et ça, c'est si on ne décide pas même de le libérer pour qu'une équipe le récupère finalement gratuitement. Ceci étant dit, tu signes Chase Claypool, tu ne peux pas l'amener dans ton équipe puis le mettre directement comme receveur numéro un ou comme cible numéro un de l'équipe parce que tu as des vétérans autour qui se disent « Hey, même moi, même Adam Thielen peut se dire « Je ne suis plus un joueur plein d'énergie ou je ne suis plus le joueur que j'ai déjà été, mais dans les dernières semaines, puis depuis un an et demi, je porte performe assurément mieux que Chase Claypool le fait, que ce soit à Pittsburgh ou que ce soit à Chicago.
Donc, écoute, l'option de le prendre, peut-être, est-ce qu'on peut l'essayer? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à perdre chez les Panthers? Ça, c'est une bonne question. Ceci étant dit, faites attention, c'est le genre de joueur qui peut pourrir un vestiaire si on juge que son attitude, est un problème. Je pense pas que les Panthers vont se tourner vers lui. Ouais, je pense pas, je viens d'y penser à l'instant, mais c'est vrai qu'on avait un peu abordé le sujet sur une autre émission, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en pensais? Qu'est-ce que tu en pensais, toi? Et donc, revenons à notre match. Donc, Lions Panthers, toi, tu avais mis une note de 2, moi, j'ai mis une note de 1. Ça On est aurait pu être d'accord? un j'aurais pu mettre un aussi, ouais. Surtout quand tu vois la prestation qu'ils ont eue face aux Packers. Ben oui, ben oui. Du coup, on part sur les Lions. Oui, allons-y. Oui, ok, allez. Match suivant, vous aimez les games à plus de 30 points, vous aimez les longues passes. Alors, le duel qui va suivre ne sera pas pour vous. Les Non. Saints, 2 victoires, 2 défaites contre les Patriots, 1 victoire, 3 défaites. Je vais essayer d'être optimiste. J'ai mis 2 ballons. Mais est-ce qu'on va avoir droit à plus d'un touchdown dans ce match? Oh, t'es pas généreux, mais en même temps, c'est vrai que ça pourrait être une vraie réalité. Moi, personnellement, je pense que les Saints, je te le dis tout de suite, vont remporter ce match-là. Je pense que la dernière défaite des Patriots contre les Cowboys, mais surtout l'autre d'avant contre les Jets, est venue faire extrêmement mal. Après 2 matchs à 0-2, j'étais optimiste pour la Nouvelle-Angleterre. Je me disais, hey, il y a moyen de rebondir. La défense est capable de faire du bon travail. Il y a des joueurs qui se démarquent défensivement. Contre les Jets, bon, on a gagné le match, mais ça a été extrêmement compliqué offensivement. Et là, contre les Cowboys, on s'est tout simplement fait ramasser. Mais là, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Matthew Judon blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Christian Gonzalez, la recrue qui faisait du très, mais très, très bon travail depuis le début de la saison, s'est blessé à une épaule pendant le match également de la semaine dernière contre Dallas. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'il va être tiré hors du terrain, mais assurément, ça vient faire des lourdes pertes pour les Patriots. Puis du côté des Saints, même si l'attaque n'est pas là pour tout casser, la défense fait du bon travail. On a une chance de peut-être faire un pas, même si, bon, la défaite a été. Les défaites vont être présentes cette saison, mais quand même, on est capable de faire du bon travail défensivement. On est dans une division faible. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose à quoi regarder devant nous, même quand on perd un match pour les Saints. Tandis que chez les Patriots, à chaque match qu'on perd, bien, on se rend compte que la pente est très, très, très ardu pour se rendre en éliminatoire. Donc, personnellement, je vais me ranger derrière les Saints. Je pense que c'est une équipe à ce point-ci qui est tout simplement plus motivée que les Patriots à aller chercher quelque chose cette saison. Donc, je me range derrière la Nouvelle-Orléans. Mais tu sais quoi, j'aurais peut-être pu mettre 2 ballons comme toi. C'est un match pour les gros, gros amateurs de football. C'est pas un match pour les gens qui veulent simplement voir des jeux spectaculaires. C'est pas dans ce match-là que ça va se passer. Ouais, à la rigueur, peut-être pour les amateurs de bonne défense, éventuellement, tu auras peut-être quelque chose à te mettre sous la dent. Après, Exact. t'as Alvin Kamara aussi qui va faire son deuxième match, donc il sera peut-être un peu plus en Exact. jambes, donc il y a un peu plus Ouais, un d'espoir. peu plus discret hein, au premier match. Puis, Derek mais Carr dans le qui cas doit. d'Arvin Kamara, rappelle-toi, oui, ça a été discret dernier match, mais l'an dernier, là, ça n'avait pas plus l'air non plus du Arvin Kamara des belles années avec Drew Brees. Il y a eu des matchs beaucoup plus difficiles. C'est un porteur de ballon, mais ça fait plusieurs années qu'il est dans la NFL. On sait comment ça va. Ça ralentit vite ces joueurs-là. Et d'où il s'est amené dans la mêlée alors qu'il y a des joueurs qui avaient déjà plus de 3 semaines. Dans les jambes. Donc, je ne suis pas sûr là, qu'il faut s'attendre nécessairement à ce qu'Alvin Kamara soit encore le joueur vedette qu'il a déjà été. Par contre, peu importe, pour moi, c'est clair, là, les Saints sont une équipe supérieure aux Patriots. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Donc, je dis Sens aussi. Direction la seconde série, 4 matchs au programme, ça sera à 16h05 ou 22h05. Direction déjà Los Angeles pour le duel entre les Rams et les Eagles. Alors moi j'ai mis 4 ballons, toi t'en as mis 3. Confrontation qui personnellement pique pas mal ma curiosité. On sait que Stafford devrait être probablement limité par une douleur à la hanche. Exact. Toi, tu t'attends à quoi comme match? C'est un peu la blessure que tu viens de parler de Matthew Stafford. C'est un peu ce qui m'a fait passer de 4 à 3 ballons dans ce match-là parce que le front défensif des Eagles, la ligne défensive, fait tellement peur depuis le début de l'année. Jalen Carter, la recrue notamment, là, qui fait tellement du bon travail. Et Matthew Stafford, qui déjà n'est pas le plus mobile des corps, je pense qu'à ce niveau-là, avec des blessés sur la ligne à l'attaque des Rams en plus,
On va avoir de la difficulté à contenir le front des Eagles. Et pour cette raison-là, j'ai de la difficulté à voir les Rams avoir beaucoup de succès. Ceci étant dit, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère. C'est une équipe qui, la semaine dernière, même si elle s'est fait remonter de 23 points, a trouvé le moyen en prolongation d'aller chercher la victoire. Donc non, écoute, moi je vais me ranger derrière les Eagles. Par contre, Philadelphie, encore la semaine dernière, AJ Brown a réussi à débloquer, mais il y a eu encore des petits accros en attaque. Ce n'est pas encore tout à fait à point selon moi. On a laissé une chance à Washington de revenir dans le match. Washington qui a égalé le match sur le dernier jeu du quatrième quart. On a dû aller en prolongation. Bref, on aurait pu perdre ce match-là chez les Eagles de Philadelphie, comme l'an dernier, on l'avait perdu contre Washington. Mais ça fait un peu partie du processus que je parlais pour Jacksonville. Évidemment, les Eagles sont plus loin dans leur processus que Jacksonville parce qu'ils ont accédé au Super Bowl l'an dernier, que c'est déjà une puissance dans la Ligue. Mais c'est le genre d'équipe qui, c'est pas grave si l'attaque roule pas à plein régime depuis le début de la saison. On veut s'améliorer et on veut être à point pour les éliminatoires. Jusqu'à maintenant, on a gagné tous nos matchs, donc on ne peut pas se dire inquiet là, pour le reste de la saison des Eagles. Ils vont participer aux éliminatoires. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est seulement de progresser de semaine en semaine. À cause de la raison de la blessure à Matthew Stafford, ce que j'ai dit tantôt, je vais y aller avec les Eagles, puis je suis pas mal sûr de mon choix. Mais si Matthew Stafford avait été à 100%, j'aurais peut-être là, cru que les Rams pourraient causer la surprise dans ce match-là. D'accord, d'accord. C'est vrai que, bah, comme tu dis, Stafford, sa blessure, ça va jouer. Philadelphie est beaucoup plus complet, on va pas se le cacher. Toi, Jalen Hurst, tu as trouvé comment sa prestation dans l'ensemble? Ben, ça a été mieux que les dernières semaines, selon moi. C'est pas nécessairement tout à fait à point encore, par contre, comme je l'ai mentionné. Mais écoute, les Eagles, ils ont une bonne ligne à l'attaque. Ils ont des porteurs capables de faire le travail. Ils ont quatre porteurs de ballon capables de faire du bon travail quand ils sont en santé. Ils ont des bons receveurs, puis ils ont une défensive dominante. Puis autant ce que Jalen Hurts a connu peut-être un début de saison plus ordinaire, on ne peut pas non plus dire qu'il a été catastrophique ou qu'il a ouvert la porte séquence après séquence à l'adversaire. Donc, une étape à la fois, moi, je ne suis pas encore inquiet là, pour Jalen Hurts. Ouais, je suis en train de me dire qu'en fait, je me suis peut-être un peu trop hypé sur le match, mais bon, je vais partir aussi sur les Eagles, c'est beaucoup trop fort, ça va peut-être pas être une victoire éclatante comme tu as dit, ça va sortir les muscles au moment où il faudra, ouais. Et ça va passer. Exact. La semaine dernière, je m'étais un peu hype sur les Cardinals avant de me rétracter. Au final, ils ont pris 19 points, mais c'était peut-être la moins mauvaise des équipes ayant perdu lors de la seconde série. Ouais. Cette semaine, face aux Bengals, famélique en attaque, peut-on espérer un duel plus serré? Ben moi, je pense que oui. Même, je pense que les Cardinals ont peut-être une occasion d'aller surprendre les Bengals dans ce match-là. Ils vont jouer à la maison, c'est déjà un bon avantage pour eux. Ceci étant dit, pour moi, le storyline, entre guillemets, il est du côté de Cincinnati pour une raison claire. On le savait avec le début de saison, Joe Burrow blessé en début de calendrier, que ce serait un peu plus tranquille, qu'il faudrait travailler fort pour aller chercher des victoires. Mais là, la semaine dernière, on l'a échappé contre Tennessee. On est à une victoire et trois défaites du côté des Bengals. Il faut s'accrocher à quelque chose le temps que l'état de santé de Joe Burrow se replace. On ne peut pas accumuler un retard. Puis surtout, c'est que si on affronte les Cardinals maintenant, c'est que plus tard dans la saison, on n'aura plus les Cardinals à affronter. Donc, il faut profiter de ce match-là. Il faut le gagner. Moi, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je ne serais pas surpris que ça se joue à la toute fin dans cette rencontre-là. Et pour les Bengals, elle est impérative. Si on la gagne, on reste dans le portrait des éliminatoires. Si on la perd, selon moi, on peut commencer à penser à écarter les Bengals parce que ça va être extrêmement difficile dans une grosse AFC de remonter la pente. Avec un début de saison de 1 et 4. Et moi, il y a un match-up surtout que je vais trouver intéressant, c'est entre la défense des Bengals et la O-line des Cardinals, parce que la O-line des Cardinals, elle n'a accordé pour l'instant que 6 sacks, c'est le meilleur total à égalité avec les Cowboys. Donc ça peut être le match-up peut-être le plus intéressant du match, quoi. Ouais, je sais pas si t'as raison. Je sais pas si t'avais vu la stat. Non, je n'avais pas vu la semaine passée, mais c'est intéressant. Puis Joshua Dobbs, au poste de carrière pour les Cards, ben, il nous a montré depuis le début de la saison que c'est un gars qui est capable de se déplacer aussi, de sauver de la pochette. Donc, même quand on pense l'avoir dans les bras, il est capable de se déplacer puis d'aller faire un jeu. C'est pas un carrière de l'élite, mais il est définitivement
parmi les 32 meilleurs corps arrière présentement, selon moi, dans la ligue. Il mérite son emploi de corps arrière partant. Puis, écoute, pour les Cards, autant est-ce que tu te souviens au début de l'année, les clips sortaient de Jonathan Gannon qui parlait à son équipe. Il avait l'air malaisant. On dirait qu'il y avait des gros silences tout le temps. Personne n'avait l'air de le respecter. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, avec l'alignement peu talentueux qu'il a en plus, ça va être une vraie catastrophe en Arizona. Mais non, ils nous montrent semaine après semaine qu'ils sont très, très bien coachés. Ils sont dans tous les matchs auxquels ils ont participé. Même quand ils affrontent des puissances, ils sont capables de leur tenir tête. Ils ont évidemment battu les Cowboys il y a 2 semaines. Donc ça, c'était extrêmement impressionnant. Contre Cincinnati, avec un Joe Burrow aux aptitudes réduites, pour moi, c'est un adversaire qui est prenable. Si on réussit à mettre de la pression au milieu de la ligne offensive ou au centre de la pochette, comme les Titans l'ont fait pendant tout le match, je pense qu'on peut connaître du succès contre Joe Burrow et les Bengals. Tu sais quoi? Je vais y aller avec les Cards dans ce match-là. Je pense que je vais te rejoindre. Je vais aussi aller sur les Cardinals parce qu'effectivement, on les prédisait au fond du trou. Finalement, ça se débrouille bien. D'ailleurs, Marquise Brown a fait une belle rencontre. Il a fait une belle rencontre. Alors, Oui. c'était 7 réceptions pour 96 yards. C'est vrai qu'il a été assez présent. Tu as Michael Wilson qui a fait 2 TD, 7 Ouais, réceptions, c'est Stafford. 76 yards aussi. Bon, tu as Zach Ertz qui, mine de rien, est encore là, qui fait encore un peu les stats. Donc, il y a quand même quelques armes. Et face à des Bengals très poussifs, bah, c'est possible, ce ne serait pas inimaginable de les voir gagner, quoi. Puis il n'y a pas de Christian McCaffrey chez les Bengals. Je l'annonce d'avance. On parlait la semaine dernière, là, tous les deux, on était partis un peu sur Joe Mixon pour parler des difficultés qu'il connaît. Moi, je trouve qu'il a vraiment perdu là, un échelon de vitesse. Il est beaucoup moins explosif qu'il a déjà été par le passé. Déjà qu'à son meilleur, je trouvais que c'était un joueur légèrement surévalué. Ça restait quand même un porteur de ballon très capable, puis capable d'aller faire des gros jeux. Mais présentement, il fait absolument rien qui vaille là, pour les Bengals. Donc, non, je vais définitivement, je vais avec les Cards dans ce match-là. Ok, allez, 2 pour les Cards. Match suivant, ce sera désormais à 22h25 ou 16h25. Les Vikings, enfin victorieux, vont affronter les Chiefs à 3 victoires, une défaite. Alors, est-ce que Minnesota est enfin en ordre de marche? Vont-ils converger vers la seconde victoire? Renaud, donne-nous la réponse. Non. Non, écoute, ça a pris tout notre petit change pour réussir à battre les Panthers la semaine dernière chez les Vikings. Puis voilà le problème que j'ai. Bon, la défensive, on le sait, elle est incapable d'arrêter quoi que ce soit. Donc, même si l'attaque des Chiefs n'est pas encore tout à fait à point, qu'on a eu quelques difficultés là, dans le match contre les Jets qui ont une grosse défensive, pour moi, contre les Vikings, ce ne sera pas le même genre de rencontre. Puis, disons là, que les Vikings réussissent à avoir un gros match offensif, puis que par quelconque des façons, on est dans le match en fin du quatrième quart, j'ai pas confiance en cette équipe-là. Elle trouve toujours le moyen de perdre ses matchs cette année, autant que l'an dernier, on gagnait tous les matchs par une possession. Là, on les perd tout le temps cette année. Bon, c'est pas vrai, on a battu les Panthers, mais tu vois quand même où est-ce que je veux en venir avec ça. Pour moi, Minnesota n'est pas une équipe digne des éliminatoires cette année. C'est la dernière année de Kirk Cousins. Selon moi, il va falloir penser à rebâtir cette équipe-là éventuellement parce que lorsque l'offensive suivra plus le rythme, je peux te garantir que ce n'est pas la défensive qui va la rattraper. Donc non, j'y vais avec les Chiefs dans ce match-là. Je ne pense pas que ça va être un affrontement très difficile pour Pat Mahomes et sa bande. Non, j'ai mis 3, mais bon, ça va être un match normal. Il va y avoir quelques rebondissements. Merci, les Vikings. Kansas City a tremblé la semaine dernière, oui, mais on connaît Andy Reid. Cette semaine, tout va rentrer dans l'ordre, tout va être heureux, enfin, tout va de nouveau rodé. Puis de l'autre côté, tu as Capitaine, pas Capitaine Kirk, mais j'ai envie de l'appeler maintenant Capitaine Lagaffe. Ça va Ouais. très certainement aider les Chiefs si jamais il y a le moindre couac. Il va y avoir des cagades, comme on dit chez nous. Il va y avoir au moins une interception, au moins un fumble, au moins une connerie dans le genre minimum. Donc, et ça, face aux Chiefs, ça ne pardonnera pas. Donc, victoire des Chiefs, easy. Dernier match à 22h25. Les Broncos reçoivent les Jets. New York a été convaincant. Denver a gagné car Chicago, visiblement, ne voulait pas gagner. Ouais, Ça non. veut pas rester sérieux. Quel match, hein? On en parlait comme étant possiblement le pire match de l'histoire de la NFL. Finalement, bon, ça n'a pas été le cas. Mais
Quelle échappée de la part. Les Bears qui gagnaient par trois touchés au fin du troisième quart, ils ont trouvé le moyen de bousiller ce match-là. Écoute, je sais que ce n'est pas le match-up qu'on a en ce moment, là, mais les Bears qui, à la fin du match, pouvaient botter un placement. Ah, oh, mon Dieu. Trois points pour aller sécuriser la victoire. Et pour une raison qu'on ignore, ils ont décidé d'y aller en quatrième essai, prenant le risque en disant, ben, si on l'avait, Matt Eberflus, c'est ce qu'il a dit après le match, si on réussissait à convertir le quatrième essai, on aurait pu écouler les secondes et botter le ballon pour gagner par trois. Mais tu joues contre les Broncos qui ont une attaque qui ne fait rien. Donc, juste prends les trois points. Au lieu de prendre trois points et de donner le ballon avec une minute et demie aux Broncos, ils n'ont pas pris trois points et ils ont donné le ballon aux Broncos avec une minute et demie. Donc, non, écoute, c'est une catastrophe à Chicago. Mais tout ce que je dis en ce moment, c'est pour mettre la table sur ce que je vais dire sur les Broncos. Selon moi, il ne faut pas se dire que cette équipe-là est relancée et qu'elle est de retour là, pour nous impressionner. Elle a mal paru dans ce match-là. Il y a eu un gros quatrième quart puis des portes ouvertes par les Bears pour qu'on puisse l'emporter à la toute fin. Mais moi, je ne crois pas aux Broncos, pas du tout. Tandis que pour les Jets, et c'est peut-être le seul intérêt que j'ai dans ce match-là, c'est de voir est-ce que Zach Wilson peut coller une deuxième belle performance de suite. Parce que honnêtement, il a vraiment bien fait contre les Chiefs ce week-end. Oui, il a échappé le ballon à la fin, puis oui, c'est ce qui a coûté la victoire à son équipe au final. Oui, il faut le mettre responsable de cette erreur-là. Mais quand même, si on regarde le match dans l'ensemble, c'est que ces erreurs-là, il les faisait trois ou quatre fois par match avant. Là, il le fait seulement une fois. Et j'ai vu la statistique passer. C'est la première fois de sa carrière que Patrick Mahomes était surpassé là, dans une performance individuelle dans un match. C'est-à-dire que Zach Wilson a complété plus de passes que Mahomes. Il est allé chercher plus de verges que Mahomes. Il a lancé plus de passes de toucher que Mahomes, si je ne me trompe pas. Et aussi, il a lancé moins d'interceptions parce que Mahomes en a lancé deux. Certains vont dire trois avec celle à la fin du match contre les Jets. Donc, c'est la première fois qu'il était surpassé par un carrière adverse. Puis, tu sais quoi? Je le souhaite aux Jets et à Zach Wilson qu'ils soient capables de faire le travail parce que cette équipe-là, elle a quelque chose à vendre dans la NFL. Elle est capable de faire beaucoup de ravages chez un carrière capable. Si Zach Wilson joue comme il a joué contre les Chiefs pour le reste de la saison, cette équipe-là va participer aux éliminatoires. Bah, écoute, je te rejoins à 100%. Les Broncos, ça reste au fond du trou. Les Jets, moi, je pense que c'était juste un coup de génie côté Zach Wilson. Par contre, c'est la preuve que même avec un quarterback moyen qui est capable de faire des matchs à peu près propres, les Jets ont de quoi rivaliser avec, avec des grosses équipes. Exact. Après, je ne crois pas en un second bon match de Zach Wilson. Après, vu ce que nous donnent les Broncos en ce moment, je vais partir quand même sur les Jets, mais personnellement, je ne m'emballe pas pour ce match. Hein. J'ai mis la note de 2 et Moi non plus. Mon seul intérêt est vraiment au niveau du storyline, à savoir est-ce que Zach Wilson peut poursuivre, mais dans les faits, là, c'est ça, deux ballons pour ce match-là. Mais je vais me ranger derrière les Jets, moi aussi. On dirait que je ne suis pas capable de faire confiance aux Broncos. Place au Sunday Night et peut-être aurons-nous un nouveau bon match. Yes. Les 49ers, 4 victoires, 0 défaite. Face aux Cowboys, 3 victoires, 1 défaite. Je ne vous le cache pas, c'est mon affiche. C'est notre affiche de la semaine. Mm-hmm. Deux des équipes les plus complètes de la Ligue. Renaud, on ne va pas se mentir, ça s'annonce comme un beau match sur le papier. Complètement. C'est un match qui pourrait faire la différence aussi en fin de calendrier quant à savoir quelle équipe va obtenir une semaine de congé en éliminatoire. Pour moi, il y a trois équipes qui vont se battre pour ce bonus-là, si tu veux. Ben, les 49ers et les Cowboys en font partie. La troisième, ce sera les Eagles. Mais ce match-là, au final, assurément, là, va faire la différence dans le classement, dans la NFC. Tu sais quoi? Je vais donner une passe gratuite, un sortie de prison aux Cowboys pour leur performance contre les Cardinals. C'était mauvais, c'était les Cowboys. On sait qu'ils sont capables d'en sortir quelques-unes comme ça par année. Mais ça ne peut pas demeurer une narrative pour le reste de la saison. Ils ont complètement écrasé les Patriots la semaine dernière. Et oui, les Patriots sont une équipe inférieure, mais on se devait de se reprendre en les écrasant. Et si on regarde du côté de San Francisco, ben, c'est un vrai rouleau compresseur depuis le début de l'année. Brock Purdy, autant est-ce qu'on aime dire que c'est seulement un game manager qui gère le match et c'est tout ce qu'il a à faire, mais il fait des gros lancers, il réussit des grosses passes dans ses matchs. La semaine dernière contre Arizona, tu regarderas statistiquement, Deebo Samuel n'a presque pas été utilisé par les 49ers. On a trouvé le moyen de faire le travail autrement. Brandon Ayuk a eu des grosses réceptions, lui qui revenait d'une blessure.
Christian McCaffrey, tout feu, tout flamme, depuis qu'il est arrivé avec les 49ers, il est absolument fou. Il a marqué un touché dans un. Ben, il en a marqué quatre, mais il en a marqué un dans un 13e match de suite. Ça égale un record de Jerry Rice à l'époque avec les 49ers. Ça donc, non, écoute, c'est absolument spectaculaire ce qu'on fait du côté de San Francisco. Cette équipe-là semble n'avoir aucune faiblesse. Donc, pour ce match-là, considérant qu'en plus, ils sont à la maison, je vais y aller avec les 49ers. Mais la vérité, c'est que c'est un match qui risque de se terminer là, à l'intérieur des 2 minutes obligatoires du quatrième quart. J'ai une petite question. Peut-être toi, ouais. Tu sauras répondre. Est-ce que... Alors, bon, on connaît la Californie, c'est hyper chaud et tout ça. Est-ce que, vu que c'est un stade aussi en extérieur, est-ce qu'il y a possibilité aussi que ça soit la même chose qu'à Miami, par exemple? Tu vois qu'à Miami, quand tu joues en mois de septembre, c'est... Le soleil cogne, en général, l'équipe qui joue à l'extérieur est en plein soleil aussi. Est-ce qu'il y a ce même avantage côté San Francisco ou pas du tout? Je crois que non. Je vais t'expliquer les deux raisons pour lesquelles. Ça, c'est le fait nord-américain en moi qui va ressortir. Mais écoute, la première est assez simple. Le match est présenté en soirée, donc on n'aura pas à gérer ce truc-là. Puis la deuxième Ouais, la plus importante, là, si tu vas faire dans ta vie un tour, je te le souhaite, en Floride et en Californie, tu vas remarquer qu'il y a une différence incroyable parce que oui, la température en termes de chiffres va peut-être être la même, mais en Floride, il fait extrêmement humide. Donc, la chaleur est étouffante. Un 30 degrés peut paraître comme un 45 degrés, tandis qu'en Californie, un 30 degrés va paraître au max comme un 35 degrés. Donc, selon moi, non. C'est pas comparable. Puis dans ce match-là, de toute façon, ben, comme je viens de le dire, ça va être disputé en soirée, donc ce sera pas un facteur. Désormais, vous pouvez m'appeler Jack Lagaffe. Non, par contre, je vais dire une autre chose, et je pense que j'ai raison là-dessus, c'est que Shanahan a le numéro de Mike McCarthy. Oui, ben ça, c'est certain. Hein. Historiquement, même à l'époque où Mike McCarthy était avec les Packers, il y avait de la difficulté à faire face aux 49ers. Donc j'y vais avec San Francisco. Je vais y aller aussi parce que, comme tu dis, les 49ers sont impeccables jusqu'à présent. Ça ronronne, ça joue bien. Puis, un de mes chouchous est exceptionnel. Ça a été le meilleur transfert, je pense, des dernières années. Ça a été le meilleur fit. Ils l'ont payé cher, mais il en vaut le coup tant qu'il reste en santé. Donc, je dis go Niners. Tu parles de McCaffrey? Ah bah oui. Oui, ok, ouais, voilà. Oui. Non, mais juste être certain. Oui. Oui. Vous connaissez le vieil adage qui dit si ton Sunday night est bon, ton Monday night ne le sera pas. Les Raiders de Las Vegas reçoivent les Packers de Green Bay. Je ne te cache pas, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de misère à vous vendre ce match. Et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul puisque je vois la note de mon collègue qui est la même que la mienne, c'est-à-dire 2. Bref, c'est quoi le positif dans cette rencontre? Regarde, du côté de Las Vegas, on le sait, la semaine dernière, Jimmy Garoppolo n'était pas là, c'était Aiden O'Connell, dont je connaissais bien peu avant le début de la rencontre, qui a joué. Il a été, je dirais, correct dans les circonstances. Il a quand même donné une chance à son équipe de l'emporter contre les Chargers. Ceci étant dit, est-ce que ça en fait une équipe puissante? Vraiment pas. Davante Adams s'est blessé à une épaule dans le match, ou à un bras du moins dans le match. Il est revenu pour terminer la rencontre. Mais là, une fois que l'adrénaline a redescendu, de quoi est-ce que ça va avoir l'air lors de la prochaine semaine? Bon, j'ai hâte de voir. Maintenant, les Raiders, c'est une équipe pour laquelle j'ai abandonné avant même que la saison commence. Donc, on verra. Mon attention dans ce match-là, parce que je vais le regarder parce qu'il va être isolé le lundi soir, ce sera plus du côté des Packers. Jordan Love, on a vu des hauts, mais là, on commence à voir des bas aussi depuis le début de sa saison. C'est pas encore tout à fait à point. C'est correct, c'est sa première année comme partant. Mais quand même, on aimerait ça le voir se replacer. Pour moi, Green Bay, s'ils veulent être dans la course aux éliminatoires, ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là contre Las Vegas. Donc, au niveau storyline, je vais le suivre le match pour les Packers, mais les Raiders en tant que tels, là, j'ai aucun intérêt pour cette équipe-là. Non, l'équipe part clairement en décrépitude, c'est de mal en pire, les joueurs pètent des plombs, ça vire à tour de bras, il y a des blessés. Il y a plus d'intérêt côté Packers, comme tu as dit, même si effectivement, il y a eu
Deux interceptions la semaine dernière pour Jordan Love, ça n'a pas été terrible. Lions, c'était clairement au-dessus, quoi. C'est... Ouais. On est loin des Packers d'il y a 2-3 ans encore qui dominaient easy les Lions. Ça, c'était vraiment clairement le match-up était complètement différent. Tout était retourné. Là, face aux Raiders, je pense que les Packers devraient l'emporter. Je ne vois pas trop que par quel moyen, que ce soit même Garoppolo ou O'Connell, comment les Raiders pourraient gagner. Il faudrait que les Packers se foirent complètement, quoi. Ouais, puis surtout, prends en note, les Packers jouaient jeudi la semaine dernière. Là, ils vont jouer le lundi. Il n'y a aucune raison pour le personnel d'entraîneur de ne pas être bien préparé pour affronter une équipe. On s'entend, là, les Raiders, ce n'est pas une puissance dans la NFL. Donc, ton plan de match est supposé être à point. Ça, on va le voir dès le début de la rencontre. Si on voit du cafouillage du côté de Green Bay, c'est qu'il y aura eu du mauvais travail en termes de préparation pour le match. Puis, t'as vu comment Matt LaFleur s'est adressé aux médias après le match contre Détroit. Moi, personnellement, je peux te dire que avoir été dans la salle de conférence de presse, je lui aurais répondu, c'est sûr et certain, de dire aux journalistes que leurs questions sont impertinentes. Alors que des fois, il y en a des questions impertinentes, là, j'en conviens, mais c'était pas des questions impertinentes. Il a tenté d'envoyer le blanc ailleurs en disant « Pourquoi vous posez pas cette question à mon assistant entraîneur ou à un tel joueur? » Pour moi, ce n'est pas une attitude digne d'un entraîneur-chef, surtout pas d'un entraîneur-chef avec Matt LaFleur, qui jouait d'une belle réputation comme étant un des jeunes génies de la NFL avec Mike McDaniel, avec Kyle Shanahan, avec Sean McVay. Pour moi, c'était inacceptable la façon dont il s'est comporté en conférence de presse. Donc, son équipe, contre une équipe faible de la NFL la semaine prochaine, elle n'a pas le choix d'arriver prête et de complètement gagner ce match-là. Pas à plate couture nécessairement en termes de pointage, pas de gagner 36-0, mais de façon convaincante de dire du début à la fin du match, on a les deux mains sur le volant. Oh bah écoute, je te rejoins à 100% une fois de plus. Pour, de toute façon, pour moi, Matt LaFleur, le seul génie qu'il a, c'est peut-être le produit ménager. Sinon, je ne vois pas de génie en lui, j'en ai jamais vu. À part Aaron Rodgers, c'est tout. Ben, je ne vois pas à quoi il lance toute sa carrière. Ben, c'est ça aussi parce que, si tu te rappelles, bon, Mike McDaniel, on sait ce qu'il fait avec les Dolphins, mais il a pris un Tua à un moment où les gens avaient beaucoup de doutes sur lui, et pas seulement pour sa santé, parce qu'avant le début de la saison dernière, on n'était vraiment pas sûr qu'il était capable de faire des jeux. Kyle Shanahan a fait des miracles sans jamais avoir de vrai corps de premier plan avec les 49ers. Sean McVay, avant que Matthew Stafford arrive, il a quand même été capable de connaître des grosses saisons avec Jared Goff. Bon, finalement, Jared Goff est un bon carrière lui aussi, mais on n'a jamais... du moins de son temps avec les Rams. On n'a jamais voulu lui appliquer l'étiquette de carrière élite. On disait même qu'il ralentissait un peu le groupe à l'attaque. Tandis que Matt LaFleur, lui, ben, il a eu Aaron Rodgers et il n'a jamais été capable d'accéder au Super Bowl. Donc, je suis d'accord avec toi. Sean McVay, Matt LaFleur, il a des choses à prouver présentement dans la NFL. Va-t-il y arriver? C'est une autre question. Ouais. Ah! Avant de vous quitter, bah déjà, Renaud, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ce week-end? Sur quel match, notamment, sur RDS? Aucun. Je suis invisible ce week-end. Je travaille aux statistiques, donc sur les matchs de 13 et 16 heures. Je ne suis même pas encore certain de quel match nous-mêmes on va présenter là, pour ces matchs-là. Mais sinon, bon, si vous avez accès à RDS, que ce soit par câble ou distribution ou... sur Internet, on va être là pour tous les matchs prime time, le jeudi soir, dimanche soir, lundi soir. Puis on va avoir un match de chacune des séries, donc 13 et 16 heures le dimanche après-midi. Mais vous ne pourrez pas m'entendre cette semaine. D'accord. Bon, ben, décidément, Jack Lagaffe a encore frappé. Acte 2. Non, c'est correct, je ne l'avais pas dit. C'est vrai, c'est pas grave. Bon. Bah en tout cas, merci à toi d'être venu, merci à vous de nous avoir écoutés, réécoutés. Bon, comme d'habitude, vous savez, partagez, repartagez, dites-nous aussi vos commentaires, dites-nous si vous avez aimé et tout, posez-nous même vos questions si vous voulez, on sera un plaisir d'y répondre. On vous souhaite de bons matchs, on vous souhaite une bonne fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine sur ce. Ciao la team! Salut tout le monde!